Après l'incident de Mukden en 1931, le Japon a accéléré son agression en Chine. L'armée japonaise a rédigé le plan de guerre en Chine pour l'année 1935. En 1936, le gouvernement japonais a établi les principes de la défense nationale et le programme des opérations militaires. Le quartier général de la garnison japonaise en Chine a élaboré le plan de gouvernance dans les régions occupées du nord de la Chine pour l'année 1936. Ces documents secrets montrent que le Japon a conçu très tôt sa stratégie générale d'invasion en Chine. Sur cette carte chinoise du début de 1937, la présence des forces militaires japonaises était très choquante. Dans le nord-est, l'armée japonaise du Guangdong, à Beijing, Tianjin et dans la province du Hebei, la garnison japonaise du nord de Chine. À Shanghai, Qingdao, Hankou et beaucoup d'autres zones importantes, les fusiliers marins japonais. La marine japonaise stationnait ou naviguait sur les fleuves chinois et les mers près du continent. Beijing se trouvait en danger. Outre une garnison japonaise d'environ 10 000 hommes à ses alentours, au nord, dans la province du Zhehe, il y avait l'armée japonaise du Guangdong. À l'est, au nom du gouvernement autonome anticommuniste à l'est du Hebei, le Japon a mis une troupe fantoche de plus de 17 000 hommes. Et au nord-ouest, dans la province de Chahar, une armée mongole fantoche d'environ 40 000 hommes. Le Japon était tout près de lancer la guerre d'agression générale en Chine. Le pont de Luga se situe sur le fleuve Yongding, dans le sud-ouest de Beijing, et a été construit initialement pendant la dynastie des Jin. Il y a 700 ans, son nom a commencé à résonner en Europe. Les Européens l'appellent le pont Marco Polo. La lune du matin, au-dessus de Luga, est l'une des 8 belles vues de Beijing. Depuis l'Antiquité, le pont Marco Polo a toujours été considéré comme un lieu d'harmonie et de sérénité. Autant de lions sur le pont, autant d'yeux qui regardent. L'invasion japonaise a mis ce pont au centre du monde. Le 7 septembre 1937, prétextant la disparition d'un soldat, l'armée japonaise demanda à le chercher en ville. Après avoir obtenu un refus, elle canonna subitement la ville de Wamping et attaqua la garnison chinoise. Le 3e bataillon du 219e régiment de la 37e division de la 29e armée répondit par une ferme contre-attaque. L'état-major de la 29e armée donna l'ordre suivant. « Le pont Luga est votre tombeau. Vous devez rester avec lui tant qu'il existe. Ne reculez jamais. » Le Japon produit l'incident du pont Marco Polo et déclencha la guerre d'agression générale. La nation chinoise fut indignée. Le monde fut choqué. L'invasion complète japonaise suscita la résistance héroïque du peuple chinois. Le combat du 7 juillet 1937 marqua l'engagement de toute la nation chinoise dans la lutte contre le Japon. La Chine lança la première contre-attaque générale antifasciste dans le monde. Le principal champ de bataille antifasciste en Orient fut ouvert. Beijing et Tianjin étaient en danger. Le nord de la Chine était en danger. La nation chinoise était en danger. La Chine se trouvait au moment le plus crucial de son destin. Le Parti communiste chinois, faisant de la survie de la nation chinoise sa responsabilité, s'engagea dans la mobilisation du peuple dans la lutte anti-japonaise. Le 15 juillet 1937, Zhou Enlai, qui négociait avec le Kuomintang, a déposé à Chiang Kai-shek la déclaration du comité central du Parti communiste chinois sur la coopération entre le PCC et le Kuomintang. Pour unir les deux partis dans le combat anti-japonais, le Parti communiste chinois a accepté d'annuler ses zones contrôlées et de réorganiser l'armée rouge.
Deux jours plus tard, Chiang Kai-shek a donné un discours en déclarant que la Chine se trouvait dans une situation extrême. Si le Japon continuait à envahir le nord de la Chine n'aurait pas d'autre choix que de le combattre. Bien préparée, l'armée japonaise attaqua Beijing. Durant la bataille, Tong Linghe, commandant adjoint de la 29e armée, et Zhao Danyu, chef de la 132e division, sont morts pour la patrie. Le 29 juillet, Beijing chuta. Après Beijing et Tianjin, l'armée japonaise avançait en forme d'éventail, en suivant les lignes Beijing-Hankou, Beijing-Suiyuan et Tianjin-Fukou. Elle voulait avaler d'un seul coup le Nord et vaincre la Chine. Du 22 au 25 août 1937, le Parti communiste chinois a tenu la conférence de Luochuan, durant laquelle la décision concernant la situation actuelle et la mission du parti et 10 principes de la lutte anti-japonaise et du salut national ont été approuvés. Le PCC indiqua clairement que la clé de la victoire anti-japonaise consistait à transformer la lutte déjà déclenchée en une résistance nationale générale, qui était aussi la ligne qu'il allait suivre. Le 22 septembre, l'agence de presse centrale du Kuomintang publia la déclaration du comité central du Parti communiste chinois sur la coopération entre le PCC et le Kuomintang. Le 23, Chiang Kai-shek donna un discours et reconnut en réalité le statut légitime du Parti communiste chinois, marquant la fondation officielle du Front uninational anti-japonais, basé sur la coopération entre le PCC et le Kuomintang. La fondation du Front uninational anti-japonais a inauguré une nouvelle ère dans l'histoire de la révolution chinoise. Mao Zedong indiqua que le Front uni pourrait exercer une influence ample et profonde sur la révolution chinoise et contribuer d'une manière décisive à la victoire contre l'impérialisme japonais. Ce front uni emmènerait la révolution chinoise à un nouveau stade. Combattre le Japon, sauver la Chine, c'était la volonté commune des Chinois, de tous les partis, nations, classes, milieux, groupes, à l'intérieur du pays et à l'étranger. Sous le drapeau du Front uni national anti-japonais, basé sur la coopération entre le PCC et le Kuomintang, les Chinois de toutes les régions et de tous les âges se sont engagés à combattre les envahisseurs japonais. Le 25 août, à Huyang, dans le Shaanxi, le corps principal de l'armée rouge, fort de ses 46 000 hommes, a été intégré à l'armée nationale révolutionnaire et a formé l'armée de la 8e route, avec Zhu De et Pan De Huai comme commandant et commandant adjoint, Ye Jianying et Zhou Chuan comme chef et chef adjoint de l'état-major, Zhen Bishe et Deng Xiaoping comme directeur et vice-directeur du département politique. Elle comprenait 3 divisions, la 115e dirigée par Lin Bia et Nie Zhongzhen, la 120e dirigée par Helon et Xiaoke, et la 129e dirigée par Liu Baochang et Xu Xiangtian. Le 31 août, la 115e division, l'avant-garde de l'armée de la 8e route, a passé le fleuve jaune pour aller au front du nord de la Chine. Le 6 septembre 1937, lors d'une réunion de serment de combat de l'armée de la 8e route, Zhu De a lu le serment suivant. L'impérialisme japonais est l'ennemi mortel de la nation chinoise. Il veut détruire notre pays, anéantir notre nation, tuer nos parents et nos frères, violer nos mères et nos sœurs, brûler nos champs et nos maisons, abîmer nos outils agricoles et nos bestiaux. Pour notre nation, pour notre patrie, pour nos descendants, nous devons combattre jusqu'au bout. Peu après, les troupes de l'armée rouge des 8 provinces du Sud se sont transformées en la nouvelle 4e armée au sein de l'armée nationale révolutionnaire, avec Ye Ting,
et Xiang Ying comme commandant et commandant adjoint. Zhang Yunyi et Zhou Zekun comme directeur et directeur adjoint de l'état-major. Yuan Guoping et Dong Zhehui comme chef du département politique. Elle contenait quatre divisions. La première, commandée par Chen Yi et Fu Qiutao. La deuxième, commandée par Zhang Jinchang et Su Yu. La troisième division, commandée par Zhang Yunyi et Tan Zhanglin. La quatrième division, commandée par Gao Jingting. Au moment où le pays était en danger, au sein du Kuomintang, inspiré par le Front Uni National Anti-Japonais, Liu Xian du Sichuan, Li Zhongzhen et Bai Shongxi du Guangxi, Yan Xishan du Shanxi, Long Yun du Yunnan ont déclaré l'un après l'autre vouloir coopérer pour combattre le Japon. L'union fait la force. Les armées de tout le pays, quelle que soit leur région d'origine et croyances religieuses, ont été déterminées à combattre ensemble les envahisseurs japonais. Comme le dit un proverbe chinois, malgré leurs désaccords, les frères luttent ensemble contre l'ennemi extérieur. Après l'incident du pont Luga, le Japon a envoyé en Chine plus de troupes, prétendant que tout serait réglé dans 2 ou 3 mois. Il voulait remporter une victoire foudroyante en mettant en place la stratégie de la guerre rapide. Il envisageait de contrôler Datong en 2 semaines et l'ensemble de la province du Shanxi en 1 mois. Dans l'est de la Chine, la capitale Nanjing en 3 semaines et atteindre Wuhan dans 1 mois, puis débarquer à Guangzhou et contrôler le sud de la Chine. Selon ce projet, dans moins de 3 mois, la Chine, n'étant plus capable de résister, se rendrait. Voici l'édifice emblématique du Bund à Shanghai. Depuis 1928, la cloche sonne tous les jours au-dessus de la rivière Huangpu. Le 12 août 1937, à 9h du matin, l'examen d'entrée à l'université était en cours à plusieurs endroits de la ville. À 9h30, l'examen a été interrompu, tous les élèves devant quitter Jabei immédiatement. Le journal Takumpao a décrit ce jour de tension comme la veille de l'incident du 28 janvier. Le lendemain, la bataille de Shanghai a éclaté. Plus de 700 000 militaires chinois ont été convoqués aux alentours de Shanghai. En plus de l'armée centrale, il y avait aussi les armées du Guangxi, du Sichuan, du Hunan, du Guangdong et du Nord-Est. Elles allaient combattre 300 000 envahisseurs japonais. La bataille a commencé le 13 août et finit le 12 novembre. 1 million de soldats se sont affrontés pendant 3 mois dans le réseau de courants d'eau étroits sur la plaine. De durs combats ont eu lieu à Luodian, causant sur quelques kilomètres carrés plus de 20 000 morts et blessés. La 11e division de l'armée japonaise, dotée d'une puissance de feu beaucoup plus forte, n'a même pas réussi à avancer de 3 km en 15 jours. Durant ces 3 mois, en pleine bataille, l'armée chinoise perdait presque une division par jour. Les 8 divisions équipées d'armes allemandes ont perdu plus de la moitié de leurs effectifs et les troupes de l'armée du Guangdong en ont perdu plus de 2/3. Il a été battu 3 fois.
投喂鱼人呢，他就呢，把他的迫击炮、榴弹炮跟整颗的全部调来了，就打这个山，打这个坟地呢，打这个丘陵小山，把这个兵掀起来了。就这么一个兵，临死的时候，他还是严阵有眼，闭上双眼，两边就是受扣的这个清理枪的扳机，还这个大气都没有。La marine chinoise a mené aussi une résistance active. Le 16 août au soir, le commandement de la défense du fleuve Yangtze du district de Dianjin a envoyé la vedette numéro 162 sur le fleuve Rangpo. Quand elle est arrivée à 200 mètres du croiseur japonais Izumo, elle a lancé deux torpilles et l'a fortement touchée. Jusqu'à la dernière décade de novembre, la marine chinoise a abattu 7 avions japonais et gravement endommagé 2 vaisseaux japonais. La bataille de Shanghai a duré plus de 3 mois. L'armée chinoise a exterminé plus de 40 000 ennemis, mais en perdant 250 000 hommes. Le 5 novembre 1937, l'armée japonaise a débarqué à Chuangongting et Jinshanwei et débordé sur l'aile droite et l'arrière de la garnison chinoise à Shanghai. Celle-ci a alors pris une retraite dans la précipitation. Xie Jingyuan, officier du 524e régiment de la 88e division, défendait l'entrepôt de Seran avec seulement 400 hommes. L'armée britannique de la concession publique lui a conseillé plusieurs fois de se retirer, mais il a toujours refusé. Pour tromper les Japonais, il prétendait que ses troupes comptaient 800 hommes. Face aux troupes japonaises 10 fois plus nombreuses qu'eux, ils ont combattu pendant 4 jours et 4 nuits et ont tué plus de 200 ennemis. Ils n'ont pris la retraite vers la concession britannique qu'après en avoir reçu l'ordre. Depuis, 800 braves sont connus de tout le monde. Leur persévérance a fait connaître au monde entier l'île isolée dans la bataille de Shanghai, l'entrepôt de Seran. La bataille de Shanghai finie, l'armée japonaise se dirigeait vers Nanjing. Nanjing, nommé également Jinling, se situe à l'aval du fleuve Yangtze. Devenue capitale pour la première fois il y a plus de 2400 ans, Nanjing nous a laissé un riche patrimoine culturel. La ville est entourée de montagnes et d'eau. Les vieux remparts couverts de lianes vertes témoignent de l'évolution du temps. La rivière Tsinhuai traverse tranquillement l'histoire sous les bruits des rames et les ombres des lanternes. Pourtant, la guerre d'il y a 70 ans a laissé à cette ville une profonde blessure. L'armée japonaise a laissé ici la page la plus barbare et la plus sanglante de l'histoire humaine. En décembre 1937, après 13 jours de combats acharnés, la garnison chinoise à Nanjing a échoué. Nanjing est tombée entre les mains des Japonais. L'armée japonaise dévoilait sa cruauté démoniaque. Un massacre a eu lieu à Nanjing. 300 000 Chinois innocents ont été tués. L'armée japonaise brûlait, tuait, violait et pillait. Nanjing, capitale autrefois prospère, est devenue un véritable enfer.
Le feu de Nanjing illuminait la fête à Tokyo. Matsue Iwane, commandant des troupes japonaises envoyées en Chine, appréciait beaucoup Isao Tani, principal criminel du massacre de Nanjing, déclarant que ce massacre pouvait montrer la puissance militaire du Japon et forcer la Chine à nous céder. Les os innombrables des victimes du massacre dénoncent silencieusement les horreurs que l'armée japonaise a perpétrées à Nanjing. En suivant le plan prévu, en parallèle de la bataille de Shanghai, l'armée japonaise avançait vers le nord du Shaanxi, en prenant le chemin de fer Beijing-Baotou. Le Shaanxi, situé au plateau de l'Os, protège le nord-ouest et la plaine du nord de la Chine. La situation du Shaanxi influençait la sécurité de l'ensemble du nord et du nord-ouest de la Chine. Yan Xishan a rassemblé ses troupes et était prêt à exterminer l'ennemi. Mais le manque de détermination, les erreurs de commandement et les soupçons entre les troupes de différentes fractions ont conduit à une attitude passive envers les ennemis et porté atteinte au moral des officiers et soldats. À ce moment dangereux, l'armée de la 8e route est arrivée au Shaanxi, dont la 115e division, dirigée par Lin Bia, qui avançait jour et nuit vers Pingxingguan. Elle voulait détruire dans la vallée les troupes japonaises de Lingqiu qui allaient attaquer Pingxingguan. Trois régiments principaux de la 115e division de l'armée de la 8e route se mirent en embuscade dans les collines au bord de la route menant à Pingxingguan. Ils se décidèrent à anéantir les ennemis et à aider les troupes du Kuomintang. Le 24 septembre 1937, à minuit, couverts par l'obscurité nocturne et sous une averse, ils arrivent à la position d'embuscade prévue. Le lendemain, à l'aube, les troupes japonaises entrent dans le cercle d'embuscade. L'armée de la 8e route tire à plein feu, mais une longue bataille avec les Japonais ne permettrait pas la victoire. Voilà pourquoi le commandement a changé immédiatement la stratégie. Les troupes chinoises sont descendues sur la route et ont divisé les troupes japonaises en sections pour les anéantir séparément. Les troupes japonaises essayaient de percer l'encerclement. Elles occupaient le terrain dominant Laoyemia, constituant ainsi une grande menace pour la 115e division. Le combat était très dur. Les Japonais, encerclés, résistaient avec obstination. L'attaque et la défense alternaient des deux côtés. Les six avions japonais de renfort ne pouvaient ni mitrailler ni bombarder. Avec 600 blessés et morts, l'armée de la 8e route a anéanti plus de 1000 Japonais et pris une grande quantité de matériel de guerre. La victoire de Pingxingguan est non seulement la première victoire de l'armée de la 8e route, mais aussi la première plus de deux mois après le début de la résistance générale. Le mythe d'une armée japonaise invincible a été du coup brisé. L'armée et le peuple chinois ont été beaucoup encouragés. Une centaine de lettres et télégrammes de félicitations arrivaient de partout dans le pays. Dans le télégramme du 26, Chiang Kai-shek disait « La bataille du 25 a exterminé beaucoup d'ennemis. Cela signifie que les officiers et soldats sont très courageux et méritent d'être récompensés. »
J'espère que vous continuez à encourager vos troupes et remporter plus de victoires. Tout le pays était joyeux à la nouvelle de la victoire de Ping Xingwan. À Shanghai, les deux filles de Pu Ziting, Aiying et Meiying, ont acheté avec leurs 400 yuan d'argent de poche deux télescopes militaires comme cadeau offert à Zhu De et Pan de Roy. Pu Ziting et ses amis ont aussi offert anonymement 8 télescopes à l'armée de la 8e route. Après la bataille de Ping Xingwan, Zhu De a écrit à sa famille: la victoire a beaucoup relevé le moral de nos soldats. Si les autres troupes sont comme nous, il ne sera pas difficile de repousser et d'anéantir les ennemis. Il dit aussi cela à ses parents et amis qui voulaient s'engager à l'armée de la 8e route. Ceux qui veulent se mettre en avant ou s'enrichir, ne venez pas. Ceux qui veulent se sacrifier pour la patrie et ne craignent pas les difficultés, bienvenue. Dans notre armée, tout le monde est égal. J'ai déjà passé une dizaine d'années très heureuses avec mes soldats. Les fumées de guerre dispersées, les pins et les cyprès sur la terre de Ping Xingwan ensanglantés figuraient l'intransigeance du peuple chinois. Xinkou se situe à 90 km de Taïwan. À son est, c'est la montagne Wutai, et à son ouest, la montagne Yunzhong. Entre ces deux montagnes coule la rivière Hutuo. Le chemin de fer Tongpu et une route le long de la rivière relient le sud au nord. C'est un endroit très disputé depuis l'Antiquité. Après la retraite de l'armée chinoise du front de l'intérieur de la Grande Muraille, Xinkou est devenue la dernière barrière de défense de Taïwan. Or, Xinkou n'est pas flanquée de hautes montagnes, mais seulement de petites collines. Comme Zhu De l'a décrit, stratégiquement, ce lieu est 10 fois moins difficile à passer que la Grande Muraille. Dans cette zone, 100 000 militaires chinois, par leur chair et sang, ont paralysé l'attaque de l'armée japonaise pendant 21 jours. Pour seconder la défense frontale de Yanxishan, Zhu De a envoyé 3 divisions de l'armée de la 8e route à l'arrière de l'armée japonaise afin de saboter son approvisionnement. Début octobre, la bataille de Xinkou a commencé. Wei Huang, commandant en chef de la 14e unité armée sur le front, dirigeait ses troupes dans une bataille acharnée. Chaque jour, alternait une dizaine de fois avance et retrait. Parfois, pour s'emparer d'un terrain dominant, l'armée chinoise perdait tout un peloton ou toute une compagnie. L'armée japonaise a été aussi lourdement frappée. Il est même arrivé que les corps des soldats des deux côtés s'entassent, faute de temps pour les transporter. Plus tard, une armée de la 120e division de l'armée de la 8e route a attaqué Yanmenguan. Une autre division a saboté la route et le pont entre Guangwu et Darling. Le transport entre Yanmenguan et Xinkou, une fois coupé, l'approvisionnement de nourriture, de balles et d'essence de l'armée japonaise était aussi coupé. Celle-ci ne pouvait que compter sur les avions. Le 769e régiment de la 129e division de l'armée de la 8e route est arrivé au district de Daixian et a découvert l'emplacement de l'aéroport provisoire de l'armée japonaise. Dans la nuit du 19 octobre, le 3e bataillon a brûlé les 24 avions militaires japonais à l'aéroport de Yangmingbao. L'avantage aérien de l'armée japonaise n'existait plus. Ce bataillon, commandé par Chen Xilian, est aussi devenu un bataillon célèbre qui faisait trembler les troupes japonaises. L'anéantissement de l'avantage aérien japonais a beaucoup relevé le moral des militaires chinois à Xinkou. Les habitants locaux louaient ainsi l'armée de la 8e route. Au pied de la grande muraille longue de 5000 km, sur le champ de bataille ancien de Yanmenguan,
Le feu brûle à Yanmingba. Les avions japonais sont tous anéantis. La bataille de Shinkō est la coopération la plus réussie entre les troupes du Kuomintang et du Parti communiste chinois lors de la première phase de la guerre anti-japonaise. Wally Rouan et Zhu De, deux généraux inconnus l'un de l'autre, ont exercé chacun leurs fonctions. Leur coordination a retardé l'avancement de l'armée japonaise au sud et lui a fait perdre beaucoup d'effectifs, matériel et équipement. La bataille de Shinkō a duré un mois. Plus tard, Yangzheguan ayant été pris, la situation dans l'est du Shaanxi s'est aggravée. Les troupes de renfort japonaises ont avancé vers l'ouest. Taiyuan a été occupée. Après avoir occupé Nanjing, les troupes japonaises, divisées en trois unités, ont passé le fleuve Yangtze et avancé vers le nord. Elles allaient attaquer ensemble Suzhou, avec les troupes venues du nord, afin de frayer un passage nord-sud. Les troupes chinoises, commandées par Li Zongzhen, commandant en chef de la 5e zone de guerre, se sont lancées dans la bataille de Suzhou. À l'extérieur de Suzhou, a d'abord eu lieu la bataille de Taiyarzhuang. Voici l'ancienne gare de Taiyarzhuang. Cette horloge s'est arrêtée pour toujours, à 12h20. Au printemps 1938, au départ de Qingdao, la division d'Itagaki s'est dirigée vers le sud et a menacé Linyi. La division d'Isogai, en prenant la branche Zhaozhuang, Taiyarzhuang, s'est dirigée directement vers Taiyarzhuang. Taiyarzhuang se situe aux frontières du Jiangsu et du Shandong, à 30 km au nord-est de Suzhou, sur la rive nord du Grand Canal. Il est au croisement de la ligne Jinpu et la ligne Longhai, constituant la dernière barrière au nord de Suzhou. Avant la bataille, Chiang Kai-shek a envoyé spécialement Bai Chongxi, chef adjoint de l'état-major général à Suzhou, pour aider Li Zongzhen à diriger les opérations. Avant le départ, Bai Chongxi a invité Zhou Enlai et Ye Jianying à discuter ensemble du plan d'action et de la manière de coordonner les deux armées.联合作战行动，运动与广阔的淮河流域，以使京浦铁路南段的日军实施受到威胁，不敢贸然北上；而在京浦铁路北段，则以主力采取以运动战相结合的这样一种作战方针，首点待援，从而使日军受到严重的威胁，达到各个击破的目的。 Le 3 avril, l'armée chinoise a déclenché l'attaque générale contre les ennemis à Taiyarzhuang. À l'aube du 7 avril, l'armée chinoise, au prix de 7500 morts et blessés, a anéanti plus de 11 000 Japonais. Ce fut la plus grande victoire depuis le 7 juillet 1937. La victoire de Taiyarzhuang s'est fait connaître immédiatement à l'étranger. Charles de Gaulle, chef de la 85e division mécanisée française qui défendait la ligne Maginot, dit à ses officiers et soldats « Notre ennemi va bientôt nous attaquer. Nous allons résister comme les Chinois. » avec des armes rudimentaires, aux attaques folles des ennemis beaucoup mieux équipés que nous. Pour sauver la France, il faut faire comme la Chine. En même temps que le Japon envahissait la Chine, l'Allemagne visait l'Autriche. Elle a d'abord soutenu le parti nazi autrichien, puis, par un coup d'État, renversé le gouvernement républicain autrichien. Le 10 avril 1938, l'Autriche tombe dans les mains de l'Allemagne.
Taïwan pris par les Japonais, l'armée du Kuomintang au Shanxi se retirait vers le Shaanxi ou le Renan en passant le fleuve jaune. À ce moment crucial, Zhu De et Pan de Huai ont déclaré que l'armée de la 8e route ne prendrait pas retraite. Elle allait rester dans la province du Shaanxi avec la population du nord de la Chine. Zhu De menait ses troupes vers l'est dans les zones occupées par les Japonais, au mont Taihan, dans le sud-est du Shaanxi. Dans le matin du 31 mars 1938, quand deux détachements automobiles de la 14e division japonaise sont entrés dans le cercle d'embuscade, Xu Xiangtian, commandant adjoint de la 129e division, a lancé la bataille. Au bout de deux heures seulement, l'armée de la 8e route a conclu le combat. Plus de 180 véhicules japonais ont été détruits et plus de 170 soldats japonais ont été blessés ou tués. La victoire de Xiang Tangpu a beaucoup renforcé la confiance des officiers du Kuomintang qui ont choisi l'un après l'autre de rester combattre au Shaanxi. La menace de l'armée japonaise au nord-ouest a été atténuée. Le fleuve jaune, aux confins du Shaanxi et du Shaanxi, est devenu la ligne de confrontation. Jusqu'à la fin de la guerre, les troupes japonaises n'ont jamais pu avancer davantage. En octobre 1937, l'armée de la 8e route a ouvert des bases de résistance anti-japonaises dans les zones occupées par les Japonais. Le peuple, organisé, était un vrai mur d'airain contre les envahisseurs japonais. En septembre 1938, l'armée japonaise a organisé 25 encerclements sur la base de résistance du Shaanxi, Charar et Hebei. Sous le commandement de Nie Zhongzhen, en appliquant diverses tactiques, les troupes japonaises ont été lourdement frappées, surtout lors des batailles de Dongxizhuang, de Zhenyongzhuang et de Huashipian. 48 jours après, le 7 novembre, la contre-attaque a pris fin. Dans plus de 100 batailles, l'armée de la 8e route a tué plus de 5200 hommes de l'armée japonaise et fantoche et brisé l'encerclement japonais. Les diverses tactiques utilisées dans les bases de résistance étaient tellement souples et variées que l'armée japonaise avait grand mal à contrôler la situation, réduisant par conséquent la pression sur l'armée chinoise sur le champ de bataille frontal. Les opérations de l'armée de la 8e route dans le Shaanxi sont des illustrations parfaites de la lutte nationale anti-japonaise. En 1959, lors du 10e anniversaire de la République populaire de Chine, 230 généraux de l'Armée populaire de libération ont chanté ensemble une chanson de l'époque. Sur les monts Taihan, nous ramenons à ces années de guerre que beaucoup d'entre eux avaient vécues personnellement.
Au moment où l'armée de la 8e route combattait les troupes japonaises dans le nord de la Chine, les différentes troupes de la nouvelle 4e armée se rassemblaient dans le sud et le centre de l'Anhui et se dirigeaient vers l'est. Au début de l'été 1938, la saison des pluies a commencé très tôt au sud du fleuve Yangtze. Le 17 juin, au matin, selon la disposition établie par Su Yu, la troupe d'avant-garde tendait un guet-apens des deux côtés de la route entre Weigang et Dujon. Vers 8 heures, les véhicules japonais sont arrivés. La nouvelle 4e armée a ouvert le feu. Les soldats conducteurs japonais ont été atteints l'un après l'autre. Leurs 5 camions ont été paralysés sur la route. Les ennemis, fuyant dans le bois au bord, ont tous été anéantis. Au bout de 30 minutes seulement, la bataille en embuscade, violente et rapide, s'est achevée. Pour cette bataille, Chen Yi a écrit un poème. Nous tenons nos armes contre les Japonais au sud du fleuve Yangtze. Nos cris dans la nuit font peur aux ennemis. Au premier affrontement à Zhenjian, nous avons tiré et les ennemis ont été anéantis. Après avoir occupé Suzhou pour donner à la Chine un coup mortel, le Japon a décidé de déclencher la bataille de Wuhan. À ce moment-là, le gouvernement nationaliste avait déjà élaboré le principe de la défense de Wuhan. La plus grande valeur de la défense de Wuhan consiste non seulement à défendre la ville de Wuhan elle-même, mais aussi à couvrir les ressources humaines et matérielles du sud-est et du centre dans leur déplacement vers le sud-ouest et le nord-ouest afin de construire la base d'une guerre prolongée. Le Parti communiste chinois a aussi établi sa mission dans la défense de Wuhan. Zhou Enlai, Dong Biwu, Ye Jianying, Bo Gu, Dan Yingcha et d'autres cadres dirigeants y ont été envoyés pour renforcer le front uni, mobiliser le peuple et aider l'armée du Kuomintang. Mémorial de la bataille de Wuhan de Dingongshan à Xinyan. En été 1938, l'armée du Kuomintang a tenu ici la conférence de Zhongyuan pour analyser la stratégie japonaise sur le fleuve Yangtze, élaborer le plan de la défense de Wuhan et disposer les troupes à l'extérieur de la ville. Pour combattre l'ennemi commun de toute la nation, le Parti communiste et le Kuomintang ont renforcé leur coopération. Des gens de différents milieux portaient leurs concours, les corporations de différentes régions organisaient des donations et participaient à la mobilisation. De juin à octobre 1938, la bataille de Wuhan a eu lieu à l'extérieur de la ville, sur les deux rives du fleuve Yangtze. Le champ de bataille s'est étendu dans les provinces de l'Anhui, du Henan, du Jiangxi et du Hubei. L'armée et le peuple chinois résistaient avec leur sang aux envahisseurs japonais et défendaient avec leur vie la dignité humaine. Dans la bataille de Wuhan, la 106e division de l'armée japonaise, arrogante, est entrée seule dans la région montagneuse de Wanjialing, au sud-ouest de Dehan, dans le Jiangxi. Les troupes de Xueyue, de la 9e zone de guerre, ont profité de cette occasion pour les encercler. À la première décade d'octobre, les troupes japonaises étaient à court de vivres et de munitions. Le chef, Matsura Junrokuro, a voulu plusieurs fois brûler le drapeau militaire et se suicider. Durant cette bataille, l'armée chinoise a anéanti plus de 3000 ennemis, leur portant un coup mortel. Les forces aériennes et navales chinoises ont aussi participé à la bataille de Wuhan. Avec la coordination de l'escadrille de pilotes volontaires de l'Union soviétique, l'armée aérienne chinoise a détruit 78 avions et 23 navires japonais dans 7 combats, apportant un concours important à l'armée de terre. La marine chinoise a mené aussi des combats acharnés sur le fleuve Yangtze. Elle a déposé des mines sous-marines aux places fortes et des canons sur les rives. Elle a détruit plusieurs navires japonais et a retardé l'offensive japonaise. Des centaines de combats ont eu lieu à Wuhan. L'armée chinoise a anéanti ou blessé plus de 40 000 militaires japonais. L'armée japonaise a été beaucoup affaiblie. La bataille de Wuhan est la bataille la plus grande, la plus longue et la plus fructueuse de la phase de défense stratégique dans la guerre anti-japonaise.
dans le sud de la Chine, pour coller avec son agression à Wuhan au milieu d'octobre 1938, des troupes japonaises ont débarqué à la baie d'Apang. Guangzhou est tombé entre leurs mains. Quand le peuple chinois luttait contre le Japon en Orient, en Europe dominait pourtant la politique d'apaisement envers l'Allemagne. En septembre 1938, les chefs britanniques, français, allemands et italiens, soit Chamberlain, Daladier, Hitler et Mussolini, se sont réunis à Munich. En absence des représentants tchécoslovaques, ils ont signé les accords de Munich en accordant à l'Allemagne la région des Sudètes. Plus tard, l'Allemagne a démantelé la Tchécoslovaquie. En réexaminant la situation de la phase de défense stratégique de la guerre contre l'agression japonaise, on peut constater un phénomène exceptionnel. Quand l'armée chinoise, au champ de bataille frontal, combattait tout en se retirant de l'est vers l'ouest pour conserver sa force vitale, l'armée de la 8e route et la nouvelle 4e armée se dirigeaient vers les régions occupées par les Japonais dans l'est. Elles s'installaient d'abord dans les zones montagneuses, puis avançait vers la plaine à l'est. Cette détermination et cet héroïsme pour ouvrir les bases de résistance dans les zones occupées sont une caractéristique nette et un exploit magnifique au champ de bataille principal en Orient. À cause de la résistance absolue de l'armée chinoise, le Japon n'a pas pu réaliser son ambition de la guerre rapide. Son front s'est étendu. Après l'occupation japonaise de Wuhan et de Guangzhou, la guerre est entrée à un état d'affrontement à force égale. Thank you.